le colonel Le Beaufouet, Ariel Chiney, aura un concert live le 2 novembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. Ariel Chiney promet un grand spectacle le 2 novembre prochain. Passé les obsèques de Nigel Arafat décédé le lundi 12 août dernier, le coupé décalé renaît petit à petit. Pour ces fêtes de fin d'année qui approchent, nombreux sont les artistes qui ont prévu d'organiser des concerts. Et Ariel Chiney, l'une des étoiles montantes de la musique ivoirienne, n'entend pas rester en marge de cette série de spectacles. Son concert aura lieu le 2 novembre 2019 à l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu le mercredi 2 octobre 2019. Ce spectacle est organisé par la maison de production du colonel Le Beaufouet, Sony Music, en collaboration avec une structure de communication événementielle dénommée Back Office. La très importante société de téléphonie mobile, MTN Côte d'Ivoire, et la marque de boissons, Beaufort, ont également décidé d'accompagner l'événement. Ce concert s'inscrit dans le programme de promotion de l'artiste. Depuis que nous avons signé avec Ariel Chiney, nous avons sorti un single qui a eu beaucoup de succès et maintenant, nous allons attaquer un concert qui va nous amener à un nouvel album qui sortira l'année prochaine et aussi à un grand concert à Paris au mois de mars. C'est un programme sur lequel nous avons travaillé et nous espérons amener l'artiste au sommet, comme lui-même l'a dit dans une de ses chansons, a soutenu José da Silva, président de Sony Music. Pour sa part, l'ancien premier ministre de la Eurogang de Nigel Arafat, a promis de donner un spectacle inoubliable à toutes les personnes qui effectueront le déplacement au Palais de la Culture de Treichville. J'ai décidé de donner ce que je n'ai jamais pu donner aux Ivoiriens. Je ne parlerai pas trop. Je veux juste dire à mes fans que ce concert sera le plus mémorable de l'histoire, a déclaré Ariel Chiney plus que jamais déterminé à propulser le coupé décalé à l'international, comme a su le faire son mentor Nigel Arafat. Pour ce concert, il y aura deux sortes de tickets d'entrée. Le ticket VIP, vendu à 25 000 FKFA et le ticket grand public, à 10 000 FKFA.